Yo, c'est Burileys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stellar Blade. On continue les aventures de Eve. On est arrivé, on est toujours d'ailleurs au laboratoire Le Voir. Je sais plus où on était d'ailleurs. On était arrivé dans une, un truc bizarre en fait. On avait fait une petite énigme vite fait et on est arrivé ici. Oui, je crois qu'on vient de là, hein, il me semble. J'adore la musique qui change. En vrai, je sais pas s'il faut repartir vers le gars qui est mort là ou je sais pas du tout. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ok. Pack de munitions. Un pack de munitions restant les munitions actuelles à leur capacité maximum. Derrière le logo de la société Orca Aerospace, une étiquette indique ne peut être vendue Légion G4. Ok. Ah, ça peut être pas mal ça. Il n'y a qu'une quantité? Ah. C'est un peu dommage ça par contre. Ok. Compétence, je pense pas qu'il y a besoin de faire quelque chose pour l'instant. Comme j'ai dit, j'attends de développer de débloquer les deux verrouillés là. Je sais que j'ai pas mal de points, mais bon. Du coup, je pense qu'il faut remonter, hein, il me semble. Ou à moins que j'ai déjà descendu. Je pense que je suis déjà descendu en fait. Hein. Je pense qu'il faut aller par là. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, 12e point, génial. Nickel. Écoute, ouais. Sont rouges. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais. Moi aussi. Il n'y a pas de courant. Il doit y avoir une source d'énergie quelque part. Ok. Il va falloir... forcément faire quelque chose, mais quoi, je sais pas pour l'instant. Le sol est vivant ou comment ça se passe ça? C'est quoi le délire là? On est coincé. Eh ben, je ne pense pas qu'on est coincé. Ils ont traversé les lasers sans une seule égratignure. Ah bah pas moi par contre. Ah! Ah je meurs direct! Oh c'est naze! Ah ouais! D'accord. Génial. Bon. Oh mince! On est coincé. Traverser les lasers sans une seule égratignure.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh putain! Wouhou! Ah fils de... Crève! Foiré de truc de merde! Non! Ah putain! Ah c'est compliqué hein! Oh la vache! Après faut toujours que je commence dans un truc compliqué là. C'est quoi le bordel là? Dégage! Dégage! Ouf. Ouais, c'était pas si compliqué finalement. Bordel de merde. Putain la vache. Bon, au moins je récupère un peu tous mes munitions, ça c'est bien. Ok. Je suis pas sûr d'avoir tout récupéré, mais... Ouf, si. Si, je crois que j'ai tout récupéré. Ok. Voilà, l'ascenseur devrait fonctionner. Il faut qu'il active ça déjà, je pense. Voilà. La contamination se propage jusqu'ici. Il y a sûrement un point faible. Putain, c'est quoi ça? Je suis déjà blindé, donc c'est bon. On va activer le camp quand même. Merde. Comment on fait pour annuler? Pas? Ouais, de toute façon ça n'a pas tiré donc... Bon travail. Ok, nickel. Je crois qu'à la fin je vais m'affronter un boss bizarre. Hein. Je le sens bien arriver ça. Oh putain.
Adieu. Non mais... Il est fou lui. La contamination se propage ici. Super. On doit chercher un code de sécurité. C'est sympa ici. Fort mignon. Ah bah voilà. Ok. T'es quelque part par là. Je vais quand même continuer vers l'avant pour voir. Bien que. Non, on va aller voir quand même là-haut. Essaie d'entrer le code. Ça a marché. Ouais, ça fait descendre par contre. Maintenant j'hésite, je sais pas où aller en fait. Ah, en fait on va aller là-haut quand même. Il n'y a pas une carte. Non, bah non, il n'y a pas de carte je pense. Il y a la carte là mais elle est disponible. Oh, tant pis, on va aller voir là-haut, on verra bien. On verra bien. Faut juste que j'évite de me précipiter pour rien. Tout ça pour ça? Bah au moins c'est clair. Bon, c'est pas ici déjà qu'il faut aller. Au moins ça c'est sûr. Ervant. Ouh là là, je sens pas le truc là. Non, je sens pas trop ce truc. Pas du tout même. Qu'est-ce que c'est que ça? Aïe! C'est quoi le bordel là?
Aïe! Le contrôle du drone est compliqué par le vent. Putain! Sérieux là? Putain! Foiré de truc de merde! Sortons d'ici. Possible ça. J'ai juste récupéré des balles là, oui. Bordel. Bon bah les autres c'est pas des vraies balles, ok. Ah c'est des balles, si c'est des vraies balles, mais c'est pas les balles que je veux quoi. Ok, merci. Quel? Adieu. Nickel. Wouah, t'es sérieux, putain. Voilà. Non mais où? Ah c'est bien, c'est bien. J'aime bien, j'aime bien. Aussi un camp de ravitaillement. Bon, ce lieu. On va se reposer un peu. Comment ça, on se repose? Pour faire quoi? Je le sens pas, les trucs rouges, je sais pas pourquoi.
Je vais m'en racheter une, comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc que je sens pas à venir. C'est... Ça aussi, je vais en racheter. Beaucoup de réserves quand même. Ok. Ah, il veut quand même qu'on se repose en fait. Il doit sûrement se passer un truc, je pense. Nano combinaison. Ah, je peux en fabriquer, ok. Ah, peut-être passer à une autre. Pourquoi pas faire une autre combinaison. Du moins en fabriquer une nouvelle, pourquoi pas. Parce que là, ce que j'ai pas, c'est quoi en fait. C'est à partir de celle-là. Ah, il y en a 4. Polymère extrême, j'en ai juste assez en plus. Ouais, mais je vais attendre. En vrai, je vais attendre. Exospin. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, ça. Ouais, ça, je vais peut-être l'apprendre, parce que c'est vraiment pas mal. Surtout dans bah, le lieu que je suis, surtout, c'est... Ça peut vraiment servir. Allez, hop. Je l'équiperai après, du coup. Et drone, on a 3 points en drone. 3 points en drone, qu'est-ce qu'on pourrait mettre du coup? Amélioration du système de guidage. Ouais, c'est pas mal ça. Hein. Ouais, je crois que je vais mettre ça. Voilà. Bah, carrément, je peux en mettre jusqu'à 8 missiles. Oh ouais. C'est pas mal ça. Ok. Du coup. Exospin, quoi à mettre celui-là maintenant? Au moins pour ici quoi. Profanateur. Ah ouais, j'avais pas vu qu'il était comme ça. Ah ouais, il est stylé. Enfin, il est stylé. Façon de parler quoi. Les expériences illicites de le voir ont fini par provoquer un accident catastrophique. C'est Naichiba qui ressemble à des gigantesques grillons étaient autrefois les scientifiques en charge de ces expériences. Ils ont essayé de contrôler la situation mais se sont fait submerger puis dévorer. Les profanateurs utilisent des cobayes sur leur dos pour se dissimuler. Si vous les approchez de trop près, ils se ruent sur vous. Les profanateurs utilisent leurs bras tordus comme des faux et crachent des fluides corporels. Mais rien ne proscrit un assaut frontal. Ok. Il y en a un autre quoi. Ah oui, là j'avais pas vu. Ruche, ah oui, c'est le truc de tout à l'heure ça. Si vous pensez que les Naichiba ressemblent tous à des êtres vivants, sachez que vous faites erreur.
Ils forment parfois un groupe massif d'immenses nids semblables à des tumeurs difformes. Les ruches sont des nids qui donnent perpétuellement naissance à de petits Naitiba. Cette ruche est un refuge pour les Naitiba. Vous devez agir rapidement car elle produira sans cesse de nouveaux Naitiba. Ok. Ça me paraît clair. Bon ben on va se reposer hein. Let's go. Il va sûrement se passer quelque chose. Ces Naitiba semblent presque humains. Ces Naitiba sont vraiment différents de ceux à la surface. Je ne reconnais pas la plupart de ces Naitiba. L'ancestral, tu nous caches quelque chose. Mais quoi? Ok, c'est juste pour ça, d'accord? Bon. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui se cache dans tout ça, mais bon. Ah, effectivement, j'ai plus de balles. 45. Ou j'avais déjà 45 avant. Je sais plus même. 16, par contre, là, j'en ai pas autant qu'avant. Toi, il disait que j'en aurais plus. Ok. Bon, c'est pas grave. J'imagine qu'il faut monter. Ou j'ai un d'en haut déjà. Je sais plus. Non, je viens d'en bas. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oula là, ça sent le boss final de cet endroit. Qu'est-ce que c'est que ça? Holy shit, bro! Putain. Shit. Attrape ça! Ouh! Mais c'est qu'il est tendu lui! Putain, merde! Maintenant. Wouhou! Maelstrom! Naitiba d'élite. La catastrophe qui s'est déroulée dans la fosse de Levoir a provoqué une sorte d'immense tourbillon. Les cobayes ont échappé à tout contrôle, ce qui a provoqué une faille critique de confinement et la corruption de toutes choses. Au cours de cet incident, des centaines de milliers de spécimens ont fusionné pour former un monstre géant. Maelstrom est une véritable abomination,
Un vortex révulsant de contamination. Sympa. C'est presque poétique tout ça. Enfin, c'est de la poésie un peu morbide, mais bon. Maelstrom extirpe des cobayes explosifs de sa tête et les lance sur ses proies. Attention, ce sont de véritables bombes vivantes. Maelstrom contamine et détruit tout ce qu'il touche en vomissant des fluides corporels. Vous devez donc agir avec rapidité pour esquiver ces assauts. Maelstrom est capable de générer des ondes sonores assourdissantes qui repoussent tous leur chemin. Alors esquivez-les à tout prix. Ok. Oh bah ça a été au final. Oh, si tu te poutilles. On va s'amuser à récupérer tout ça du coup. Même si j'ai l'impression que je récupère pas grand-chose. Un hyperdrive. Cool. Le statut de préservation de l'hypercellule est bon. Bon. Fais attention maintenant. Tu devrais rentrer. Je vais préparer le tétrapode en attendant ton retour. Hein? Attends. Il y a un héritage ici. Un héritage? Qu'est-ce que c'est? L'appareil contient des enregistrements d'un vieil escadron aéroporté. Ils fournissent des informations importantes pour le prochain escadron. Je vois. Mais... pourquoi un escadron aéroporté serait arrivé jusqu'ici? Il savait peut-être des choses sur l'alpha ou le natif ancestral. Je vais consulter l'héritage. Jour 8 après la seconde plongée. Troisième enregistrement. Héritage de Raven. Survivant Ripley et Inès. Inès va vraiment mal. À ce stade, il est très probable qu'elle meure. Nous avons découvert ce laboratoire à 4 km 47 du point d'atterrissage. On dirait que cet endroit servait à étudier les Naitiba, mais la contamination est telle qu'il est difficile d'obtenir des informations. Cependant, j'ai découvert quelque chose d'étonnant en parcourant toutes les données. Avant la guerre que nous appelons la dernière guerre, il y en a une autre. C'était une guerre opposant l'humanité aux androïdes que l'humanité a elle-même créés. Les fameux Androidos. Les humains ont perdu contre leur propre création. Ceux qui ont survécu se sont cachés dans des complexes souterrains, mais c'était loin d'être la fin. Cependant, un élément inattendu a changé le cours de la guerre. Alors que l'humanité risquait de s'éteindre, les Naitiba, de puissantes créatures d'origine inconnue, ont fait irruption. La guerre contre les Naitiba a apporté la destruction des androïdes. Alors, c'est à ce moment que l'humanité a réussi à fuir vers la colonie. À partir de maintenant, je vais enquêter sur les origines des Naitiba. J'espère finir par trouver le Naitiba ancestral au point d'origine. À quiconque regardera ceci. Que la matriarche te bénisse. Ok. J'ignorais qu'un tel enregistrement existait. Et... il y a eu une autre grande guerre avant la dernière guerre. Je n'ai jamais entendu parler de ça à la colonie. Tu en penses quoi, Adam? L'histoire de l'humanité est entachée par la guerre. Ça ne m'étonne pas que des conflits aient éclaté avant la dernière guerre. Mais quand même, c'est étrange que ça n'ait pas été transmis. Je vais récupérer l'héritage et partir. Attends, Eve. Je vais te récupérer avec le tétrapode. Ok, je t'attendrai. Les objets obtenus à Cassim, retourne à action. Ok, Raven.
Membre du deuxième escadron aéroporté, Raven a laissé des informations aux autres escouades à travers ses héritages. Ok. Ok. Bah écoutez, je pense qu'on va... On va terminer cette vidéo en allant en action. On va voir ce qui va se passer. Équipement, c'est quoi cet équipement? Ah oui, j'ai gagné un nouveau truc. Okay. Équipement de charge bêta. Ah oui, c'est carrément niveau 2 là. Enfin, 2 étoiles quoi. Oh bah, je vais le mettre. On peut pas trier les... Ah si, par an. Ok. Ok, donc ça c'est vraiment les... Ok, il n'y en a que 4, c'est les meilleurs. Bonus de puissance, santé faible. Réduction des dégâts. Pénétration de bouclier. Recharge d'énergie bêta bonus. Ok. Bon, on va laisser ça pour l'instant. Ouais, c'est pareil, hein, j'ai beaucoup plus de... Ça fait quand même... Ah oui, mais il a 2... Ah oui, parce qu'il est à niveau 2, c'est pour ça. Ah non, enchaînement... Ah oui, ok, d'accord, j'ai mal lu. Puissance d'enchaînement de niveau 2 ou plus, ok. Réduction des dégâts. Ok. On va le garder pour l'instant, et ça a l'air d'être quand même un truc pas mal. C'est vrai que ça, je regarde pas assez souvent ça, mais c'est qu'on en a pas mal, hein, en vrai. Bouclier. Ouais, bon, on va rester comme ça pour l'instant au niveau de tout ça, là. Pour l'instant, je vais pas mettre une nouvelle tenue. Je vais récupérer l'autre que j'avais par contre. Protection. On va peut-être parler à... Je sais plus comment elle s'appelle. Quill. Tu veux retenter l'épreuve? Hein? Non? Ah, j'ai pas que ça à faire. Une mission à faire. Ah, bah ils sont là, putain, j'avais pas vu. Ok. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Comment puis-je t'être utile? Ah bah. Amélioration de la puissance. Très bien. Cool. Bon, on va le tenir comme j'ai dit, on verra ça plus tard. Ok. Eve, tu as été génial. Tu veux retourner à Axion? Ouais. Dépêche-toi, monte.
Alors, sans eux, j'ai pas besoin de leur parler. Je vais aller voir directement finir la quête principale. Ouais, les autres quêtes, on verra ça plus tard. Ça va peut-être me permettre de... débloquer les fameux trucs verrouillés dans les compétences. Si tu veux savoir comment trouver le Nightiba Alpha, tu devrais parler à Orcal. Ils sont déjà là, mort de rire. Oh, comme prévu. Mes yeux ne m'ont pas menti. Excellent travail, Adam. Accorde-moi encore une faveur. Allons à l'hyperdrive. Injection d'énergie, réacteur secondaire. Activation initialisée. Waouh ! Ça a l'air plus lumineux. Oui. Ce que nous faisons est important. Ok. Continuer à récupérer des hypercellules, ça finira peut-être par servir. Ok. Avec l'expansion du lien, l'état d'Orcal continue de se détériorer.
Encore une fois, merci. C'est à votre tour. Attends. Il va te répondre. Il y a une station d'épuration et un cimetière ferroviaire dans le vieux centre. Je capte les fréquences d'un Nightiba Alpha en provenance de la Matrice 11. La Matrice 11? J'envoie les données cartographiques au Tétrapode. Elles te guideront pour que tu atteignes le lieu où se trouve le Nightiba Alpha. Merci de nous aider. Ce n'est pas rien. Rien de tout cela n'est comparable à ce que vous avez fait pour Xion, je vous assure. Bonne chance. La ville semble différente. Je vois plus de monde, plus de panneaux. Je vous l'avais dit, ce qu'on a fait en valait largement la peine. Je pense que les gens ne devraient plus nous regarder de travers à présent. C'est rassurant. Pour être honnête, ça me stressait un peu. Je retourne vers le Tétrapode. Peut-être devrais-tu prendre le temps d'apprécier ces changements ? Ouais, bah justement, il y a une sauvegarde. Du coup, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo sur Stellar Blade. Et on se retrouvera très prochainement pour la suite. On regardera si on fait les quêtes principales ou secondaires. On verra bien. En tout cas, on a bien avancé. On a réussi un peu à avancer dans l'histoire. Donc ça, c'est cool. Donc, on n'a toujours pas débloqué le... les deux zones verrouillées des compétences. Bon, je pense que ça devrait plus trop tarder. Mais j'ai 15 points en plus. Hein. 15 points, j'ai. Waouh. Limite, je peux presque... Bon, je pense pas que je peux tout mettre, mais je vais attendre. Vraiment, je vais attendre. Pour l'instant, je suis pas trop en difficulté au niveau des combats. Donc, ça va. Donc, on verra bien. Bref, du coup, on s'arrête là. Et puis, on verra bien ce qu'on fera la prochaine fois sur Stellar Blade. En tout cas, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et on se retrouve très prochainement pour la suite. Donc, sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao. PlayStation.